Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Europa Universalis 4. On est toujours en multi sur la Ligue Celtique en compagnie du Signe Noir et de Dame Ned. Salut à vous. Salut tout le monde. Bonjour. Et c'est reparti. Hop. Voilà. Donc c'est je suis au bout du rouleau, mais vous inquiétez pas les gens, on va s'en sortir quand même. Je vais éviter de me tromper dans ma géographie pendant... une demi-heure, là. Ça ne pas passer pour un gros inculte. Allez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter sur ces cons. Ah bah, ils sont en train de s'enfuir, ces ballots. Ça, je suis à peu près sûr que c'est l'Australie, par contre. La trêve avec Naples, à peu près. Je suis à peu près sûr que c'est l'Australie. Oh, mais on a des bâtiments ultra rentables, on va faire ça. Un petit atelier. On n'a pas une mission d'ailleurs qui consiste à construire plein d'ateliers. Bah, c'est la prochaine institution? Non, non, dans les missions à la con, là, il y a avoir au moins 5 ateliers. Mais ça compte pour la prochaine institution, non? Non, pas des manufactures, des ateliers. Non, le bâtiment de base, là. Ah, des ateliers! Ah ouais, non, mais moi, c'est tellement pas rentable que j'en ai même pas, quoi. C'est les universités qu'il faut que je fasse, moi. Ça coûte la peau du fion, les universités, putain. Ah ouais, ouais, c'est... Par contre, c'est bien. Moins 20 au coût de développement, parce qu'il y a des provinces que chez moi, je vais développer, donc on va économiser un peu de pognon. Et on va construire les trois universités, chers amis. On va envoyer un mec ici, là, constituer un réseau d'espionnage. Et on est comment par rapport à la tech On va améliorer un peu les relations avec les dépendances, parce que ça fait quand même une plaie qu'on l'a pas fait. Avec les alliés aussi, d'ailleurs. Oh putain, l'Espagne, je suis à 36, non, non. Reviens, mec. Tu vas améliorer les relations avec l'Espagne. Je suis qu'à 36 d'opinion espagnole, ça commence à être le drame. Mais est-ce que je suis seulement marié avec vous? Vous êtes toujours mes alliés, vous deux? Oh bah, je pense, ouais. Aux dernières nouvelles. Ah, alliés, oui. Ouais, toujours alliés, ouais. Ah, mais j'ai de la corruption. Allez, je termine les doctrines aristocratiques. Donc j'ai un plus 10% de loyauté aux nobles, plus 1 en valeur de siège des commandants. Donc ça a été rajouté, ça n'existait pas avant. Tribunal des minorités et loi sur la noblesse coloniale. Ouh, ça a l'air intéressant ça, on va aller voir ces trucs. Ouais. On peut recruter un plus conseiller. 10% d'impôts. Que demande le peuple. Attendez quoi, j'ai encore un mec qui est mort. Putain, régence de la consort quoi. Très très bien. Ouais, alors on va payer pour la stab hein. Je vais révoquer ça. Bordel. Je vais révoquer tous mes conseillers. Toi, tu vires tout le monde, hein. Tu t'emmerdes tout. Bah là, niveau blé, là, ça commence à être très très compliqué, ouais. Non, là, ça commence à être tendu. J'ai besoin de faire des économies partout. Ouais, je peux pas t'aider, hein. Moi, je suis à 20, là. C'est un peu le temps ouais, luxe. Hein. Je suis à moins 15 par tour, donc ça fait mal. Allez, faut que ça tombe et qu'on les défonce. Voilà, parfait, on va choper ces cons. Bon, ça se fait que t'es à moins 15 par tour. Bah, 20 de lassitude de guerre, moins 36% de production. Ah ouais, la lassitude de guerre, ça fait mal. Il y a des trucs qui sont arrêtés chez moi aussi. J'ai des repas de guerre qui sont arrêtés. J'ai pas mal de choses qui sont arrêtées. 100 points de mine et on perd 2 en inflation. Ah, alors on gagne de l'autonomie. Non, on perd de l'inflation. Donc, tout qui commence à se cumuler, là je perds un blé monstre, quoi. Le commerce. Donc, vous considérez des investissements pour au moins une compagnie commerciale? Importation de chocolat. Oui, on importe du chocolat. C'est à qui ça? Putain, mais à quelle vitesse ils vont ces foutus indigènes là? Faut qu'ils arrêtent un peu. Ça suffit un peu les conneries. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont là. Bretagne? Côte d'Or? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là ça? Les compagnies commerciales, en fait, je m'en suis jamais servi chez un. Ouais, moi non plus. Hein. Parce que là, manifestement, ils ont colonisé des trucs sans rien de. C'est quoi ça? Bah, c'est un équivalent des. Poste de traite dans deux comtés.
Mais non, c'est la Bretagne, ça, c'est pas à moi. C'est ce que je dis. La Côte d'Or, c'est moi. Bah oui, c'est pour ça, je me disais, qu'est-ce que je fous ici? Ah, ça, je sais pas te dire, par contre. Ouais. Sachant que j'ai déjà un emprunt, c'est de pas en avoir un autre. Je sais même pas comment on fait les trucs que vous me demandez, les gens. Suède se prépare à attaquer le Danemark. Bah vas-y, Suède. T'es pas toi qui es allié à la Suède, Tibbs? Ah ouais, parce qu'il y a plein de rébellions. Je suis allié, moi. Je suis pas certain. Non, je comprends pas ce qu'il me demande, là, avec le truc. On peut procéder à des investissements. Compagnie commerciale. Je sais pas ce que c'est. Vraiment, j'ai jamais utilisé ce truc. Ouais, je sais que c'est un genre d'équivalent des colonies, mais en Afrique. Après, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, tout ce que je sais, c'est que ça me coûte, un bras, ces conneries, là. Ouais, ça le marque que ton territoire Luanda appartient à la Compagnie Irlandaise d'Afrique Occidentale. T'as dû la créer, non? Parce qu'ils te le demandent. Oui, non, j'en ai créé, mais je sais pas à quoi. Ah, bah quand tu vas... si tu peux investir... Attends. Je l'ai fait tout à l'heure. Enfin, je l'ai pas fait, mais j'ai vu. Attends, je te retrouve ça. Oui, parce que là, comme ça, c'est un peu cri. C'est pas très clair. On est obligé de faire tout le tour, là. Ouais, c'est ça. Hein. C'est de la merde, un peu. Comment j'ai fait pour voir ça, moi? Bon, on va attendre d'avoir notre revendication ici, et après, on fera une paix avec ces cons, là. Bah, attends, j'étais dessus tout à l'heure. Ah non, moi, pour le voir, c'est quand je clique... Déjà, il faut plein de pognon, faut croire. Alors oui, je me suis complètement planté de conseiller. Moi, je voulais un conseiller qui faisait de l'inflation en diplomatique, ce qui est complètement con. Oh non, j'ai une rébellion de 10 000 mecs là-haut en Islande, quoi. Eh, tu sais quoi Je vais te le donner, ce truc, j'en veux plus. Ah non, c'est l'indépendance de la Norvège. Ouais, recréer la Norvège, ça fait peut-être un peu chier. Ah, mais c'est ça, c'est l'État, d'accord. Ouais, mais ça coûte la peau du fion, les gens. Ouais, bah là, je peux pas y aller, quoi. Donc, clairement, ça restera comme ça, et on verra tout à l'heure. Alors, attendez, je fais pause, on va faire une petite revendication sur ce truc-là, pour bouffer le... quel que soit le machin qui va apparaître. Où, bordel, que j'ai fait de ça tout à l'heure? Alors, où est-ce que ça gueule encore? Ici. 49, oh, fait chier. Oh non, je fais pas 49 points unitaires pour 7000 mecs, quoi, c'est bon. Vous déconnez. Attends, les gars. Je comprends. Je cherche, Tibbs. Je suis tombé dessus tout à l'heure. Ouais, là. Mais si, en fait, c'est sur les. Comment? C'est quand tu regardes l'état. Ah, voilà, c'est là, ça. Là, quand je regarde l'état de l'Angola, par exemple, je peux faire des garnisons, des affaires locales, des ports. C'est ça. Ouais, des influences. Plein de trucs, en fait. Ouais. Putain, le général qui est mort au moment de traverser la frontière de la province pour attaquer des rebelles, quoi. Et du coup, en fait, je t'avais pas invité dans la guerre pour la simple et bonne raison que tous les territoires étaient pris, que ma lassitude était remontée à 20, j'en pouvais plus, fallait que je clôture, et que c'était occupé par tout le monde. Après, là, t'as une place à Mbiwila. Mbiwila. Putain, rien, j'ai 38 000 Congolais, quoi. En rébellion, oh la vache. On n'est pas mariés, au fait, nous. Ah bon? Non, avec le signe noir. Hein? Ah. Bah oui, mon général est mort. Oh putain, 6 de feu. Oh, ça fait mal, ça. Ok, parfait. Allez, on prend tout ça, on s'en fout. C'est bon. Hop. Ils sont 10 000 canons. J'ai intérêt à mettre un sacré paquet de pognon de côté, parce que... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Des rebelles irlandais, vraiment? Allez, on va essayer de se calmer pour faire descendre un c'est petit quoi, peu, là. C'est quoi cette putain de blague? Alors du coup, vous allez là-bas, vous, comme vous voulez, vous démerdez, vous y allez. Est-ce qu'on peut demander un général? Putain, on peut même pas demander un général, quoi. N'importe quoi. Les séparatistes, ouais, c'est norvégien. Oh, je gagne du blé! Totalement improbable. Ah, ils sont venus chez toi aussi Ouais, pareil. Ouais, ils ont débarqué chez moi, ouais, va falloir que j'aille aussi moi-même. Enfin, que j'aille débarquer pour les... Moi, je peux vraiment pas tout de suite, là. Vous avez besoin d'un coup de main peut-être? J'ai encore 24 000 qui traînent là-bas. Hein. Moi, c'est juste que là, j'ai trop de trucs à gérer, je peux pas monter. J'ai voulu un peu me poser en Afrique, mais déjà c'est compliqué. Ouais, faut un général pour entraîner. Ouais, je vais tenter le combat. Ouais, 9 000 hommes de moins.
tendu, non, ça passe. Ils sont vraiment faibles. Ouf. Vague d'obscurantisme. Agitation dans le pays, plus 2. Mais oui. Mais faisons donc ça, tiens. Bonne idée. On en est. Ok, alors du coup, colonisons. Ah putain, ça aussi c'est intéressant. Ah, on a plus d'autres colons. Où sont mes colons? Ah, je peux pas les utiliser, les colons. Non. Je vais pas pouvoir les utiliser, malheureusement. On en est où en termes de... d'aspiration à la liberté? Ça va, 14%, 19% là. C'est propre. Par contre, faut vraiment que je me débarrasse de ce vassal. Je sais pas ce que j'ai foutu à vouloir le prendre comme vassal, c'était vraiment une idée de merde avec les colonies autour. Ça arrive parfois, les idées de merde. Ouais, je pouvais pas le conquérir ou une connerie du genre, fallait que j'en termine avec la guerre, j'ai été un peu vite. Ici on va prendre les impôts avec le pape. Ouais, un petit truc au Nantais là, c'est très bien ça. La trêve avec Brême a expiré. Parfait. Dans 4 ans, 2% la trêve avec la France va expirer. On a 2% dans la Manche, vraiment. Ah, oh, c'est nul. Ah bah, je suis pas beaucoup mieux. Hein. Oh là là là. Ah non, mais la Manche avec la Hollande... Ah, mais ça sert à rien ce que je fais, en fait. Là. C'est tout pourri, mon histoire de commerce. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont dans le Saint-Empire. Milan n'est plus un rival valable. Qu'est-ce que t'es foutu? J'aimerais que tu arrêtes de laguer un peu, ce serait vachement cool. Et définis-moi ces putains de provinces. Je peux prendre qui en rival? Oula, du monde. L'Espagne armée plus 188%, marine plus 147%. Oh. Ouais, l'Espagne, je pense que dès qu'on sera occupé de la France, va falloir sérieusement penser à... à lui mettre une fessée parce que... Ouais, bon bah j'ai pris la Bourgogne du coup. Et du coup là ouais, t'as laissé tomber d'attaquer la guerre à la Bourgogne parce que... Parce que l'Autriche, que l'Autriche fait chier. Ouais. Tout simplement. Ça puxe du cux. Il nous faut quelques canons. Voilà. Les relations avec l'Espagne c'est fini, donc on va s'occuper des dépendances maintenant. Putain, ce que c'est long. On fait du bois exotique. Chouette. J'aurai une compagnie commerciale pleine de bois exotiques là-bas. Bon, cela dit, on a 4 ans pour baisser notre lassitude de guerre. Oh, je vais tellement reprendre un emprunt, moi. Oh là là là. Une tech? Non, pas une tech, non, merci. Je suis pas intéressé. Par contre, le mercantilisme, lui, il m'intéresse. Milan n'est plus un rival valable. Oups. Ah, t'as pas fait le siège de mon territoire en Islande? Mais je pouvais pas. Ah, tu pouvais pas? Bah, je crois pas, non, on n'est pas en guerre. Hein. Oh, mais je... C'est des rebelles, oui. Non? Les rebelles, ah, mais peut-être pas... que les... Ouais, mais... on n'était pas en guerre. Mais ouais, pas, mais... Je crois pas pouvoir, hein. Franchement. Ah ouais, il me semblait que tu pouvais refaire le siège pour l'allier. Alors moi, mais... il me semblait pas, mais peut-être que j'ai fait de la merde, je ne sais pas. Ah non, mais... Il me semblait que quand c'était des rebelles, tu pouvais. D'accord. Mais je me cours peut-être, hein. Bah, c'est que... Ouais, il va falloir que j'y monte, hein, du coup. Bon, je vais y monter. Avec 1000 hommes, la dèche. J'espère que je suis encore dans les temps, sinon c'est la Norvège qui se réveille. Ça devrait le faire. La province de Londres passe sous le contrôle des bourgeois, accroissant leur influence de 50%. 50%, bon, allez, rien que ça. Allez, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 marchands. Je le fais, c'est bon.
Alors, comment je peux gaver la mer du Nord? 18, ça y est. On peut pas vraiment gaver la mer du Nord. On va te renvoyer en France parce que je veux plus de casubilis sur la France. En guerre contre quoi la France? Ah, elle est en train d'attaquer des natifs au Pérou. Grand grand classique. Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont loin les diplomates. Un nouveau duc. Ouais, cool. On a Richard qui montera sur le trône. Notre duc est hostile. Aspiration à la liberté des dépendances, lui 5%. Putain, bien joué, mec. Bravo. C'est bon, on va le prendre. Grand malin. Ah, ça fait tellement chier, putain. Ah, et la grippe, il manquait plus que ça. Allez, des revendications sur ces enfoirés de français. Allez, on perd des points. Oh. Ah, mais on a 40 d'influence avec ces cons. Ah, pause. Oui. Ouais, ça pue un peu du cul quand même tout ça. Hein. Oui, les bourgeois ont 40% d'influence. Ouais, 2%. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ah ouais. Je sais pas quoi faire, tellement c'est nul. Putain. Ça a piqué un peu quand même. Ce marchand me sert profondément à que dalle. Ouais, j'ai dépensé des points diplo pour réduire la lassitude de guerre. Je les ai pas vu venir eux. Il y en a deux dans le coin là. Ça se re-rebelle pour la réduction des impôts, mais ils sont plus que 10 000. Moins violent déjà. Putain, je vais collecter en Côte d'Ivoire, je vais tellement pas faire de thunes. Ah ouais, non, y'a rien. En Côte d'Ivoire, y'a que dalle. Ouais. C'est... Ah bah, tout est pris par l'Espagne, ils ont tout transféré. Ils c'est se gavent. C'est le désert. Je sais pas à combien ils sont en train de se gaver dans leur nœud de Séville, mais à mon avis. Ah, fais chier, tiens. Que des événements négatifs. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait prendre un conseiller. 276, il coûte, ou ça pique un peu. C'est assez marrant parce que c'est vraiment l'épisode du sel pour nous alors qu'on est même pas en guerre, quoi. J'avoue. On est tous salés alors qu'on n'est pas en... Oh non, ça va, je sais pas. Bon, je dirais pas que je suis salé, mais c'est pas facile quand même. Hein. Moi, un peu là quand même. J'ai perdu. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai perdu tant de thunes en fait. Toi, tu y a plus personne dans la manche, donc... C'est étonnant, ça, ah, non? Si, je suis con, putain. D'avoir perdu autant d'oseille. Je suis à plus 16. Merde. Je peux peut-être faire mieux que ça. Ah, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Tout ça est assez emmerdant, très honnêtement. Ouais. Ici. Okay. Ah, que dalle. Ah, ici, il y a peut-être moyen. Allez, on va faire des revendications. Ouais. On va essayer de s'étendre un petit peu également en Afrique. Je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose. Là, le deal, là, c'est qu'on débarque comme des connards directement sur les... Ah non, ils se cassent. Ok, parfait. Le sceau de la confession. 25% de... 25% de réseau d'espionnage en France. Bah ouais, très très bien. En Côte d'Ivoire, je collecte 0,38. Waouh. Genre, waouh de chez waouh. Genre t'es content, quoi. Ouais, non, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique, faut que je fasse autre chose. Ça ne sert à rien. Enfin, en même temps, après, ça sert à rien aussi, quoi. J'ai pas de puissance, là, j'ai 0%, ça sert à rien d'essayer de dévier en champagne, quoi. J'ai 10% en fait, moins dans le coin. On sert à rien d'autre, on sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une compagnie commerciale. Je suis heureux en positif, ah bah ça fait du bien, hein. La vache. Hop là. Ah si, on a ici, mais on se battrait pour 0,58. Hop là. Ça c'est pareil, c'est tout naze. Ah, ça fait vraiment, vraiment du bien, bordel. Ouais, non, tout ça n'est pas intéressant pour l'instant, donc on va éviter de le faire. Bon, on s'en foutre. Mousson désastreuse. Ah, bah ça faisait longtemps, tiens. Ah, une petite conversion.
Encore Noailles. C'est parti, les gars. Alors, comment ça marche, ça, la dévastation? La dévastation. J'ai des points de dévastation. Ouais, bah non, les bateaux, du coup, demi-tour. Hein. On s'en fout un peu du coin, là. Hop, vous retournez en au nord. Contrée de Golfe de Guinée. Ça, ouais. Ça servait à rien. Pas bien. La flotte est bloquée pour l'instant, on va attendre qu'ils arrivent. Fin des conflits intérieurs en France, ok. Bon, nous, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va complètement envoyer l'armée. Ah, et puis la France a plus d'alliés en Afrique. Plus, hein. C'est parti, les gars. Ah, mais dans 2 ans, la France, moi, je lui tombe dessus. Hein. Même tout seul, en a foutre. J'y vais. Quoi. Non, ce sera... je serai là. Alors, dans les trucs que je voudrais développer, il y a ça aussi, là. Allô, la flotte là, putain, qu'est-ce qu'ils foutent les mecs? Faut bouger le fion ou pas? Tu puisses grossir un peu quand même en France? Ouais, faut arrêter les conneries. Mais. Ah là là, mais ça aussi, il y a tellement de trucs à développer en fait. Tellement. Ici, il y a plus rien ici, tout est pris. Allez, entraînez-vous. Ouais, tout ça sert à rien. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas avoir amélioré les bateaux? Non. Oh, moi si, mais ça coûte tellement cher. Cette flotte-là pourrait être améliorée. 1000. Plus de menaces, plus rien, je suis vraiment positif. Bah, putain, ça fait du bien. Oh. Bah, moi, c'est pas fini encore. Hein. Moi, ça vient. Déjà j'ai plus que plus 4 d'agitation. J'essaie d'améliorer mes relations avec les nations d'Asie du Sud là pour piquer leurs cartes. C'est sûr que tu veux pas plutôt mettre des mettre des espions plutôt pour piquer leurs cartes. Ah merde, on a trop de points. Ah bah on va claquer c'est kiff, hein, très honnêtement. La lassitude de guerre. C'est assez limité. Voilà. On va prendre la caravane, la doctrine commerciale. Un peu tard peut-être, mais bon, tant pis. Voilà, notre sympathique petite flotte des Andes vient d'arriver. On va prendre un plus 3 qui réduit l'inflation. Ça va nous coûter 6 bras, mais c'est pas grave. On s'en fout. Je m'étonne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser un petit peu en payant moins l'armée, sauf celle qui s'entraîne là. Ah mais j'avais pas vu que le Danemark est en guerre contre la Suède et en train de la perdre, bien comme il faut même. Ah, trop de points. On va prendre un peu de mercantilisme. Ça va commencer à être un peu le drame par contre là. La colonie, cette colonie là, revient mec. On a 85 par an, ça va bien avancer tout seul. On va économiser un petit peu là-dessus. J'ai pas fait ma mission. Si, voilà, fonder le Trinity College. Parfait. Le Trinity cool, College, putain, c'est classe dit comme ça. Ouais. Ouais, moi faut que je fasse 3 universités aussi. Ouais, bah c'est ce que je viens de faire du coup. J'ai un truc pour ça aussi, moi. C'est super cool, donc là on prend toutes les techs d'un coup, au rabais en plus. Merde, mon agent s'est fait détecter, c'est bien triste, ici on va prendre une ça tech. Ça coûte cher par contre, hein, putain. Hop. C'est un peu tendu là. Il nous faudrait un autre ensemble de doctrines. Et excellent. Je pense qu'on va prendre les doctrines économiques pour gérer notre inflation, parce que la flotte des Indes, ça pique un peu. N'est-ce pas? On est en retard hein, en termes de tech, mais c'est pas grave, on commence à rattraper le retard un peu. Alors, il y a des trucs qui vont nous rapporter beaucoup d'argent, chers amis. Ça s'appelle des cathédrales. Ah, t'as les cathédrales, moi pas encore. Ouais, on va lancer la cathédrale de Cork, par exemple. Ah putain, c'est un peu la violence, là. On va prendre un emprunt, tant pis.
Le lever. C'est un event de merde. On a foutre des nobles, vous êtes gentils. Ouais, c'est pareil, moi je viens de faire un entrepôt commercial à Londres, parce que le plus 15, c'est pas mal quand même. Bon. Et ben du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Ah bah allez, on a qu'à s'arrêter là pour aujourd'hui. On ira conquérir l'Océanie la prochaine fois, je pense. J'ai pas fait d'emprunt, il me reste 0,02 en caisse. Attention, quoi. Félicitations. Joli. Donc du coup, bah, je vais clôturer. Donc merci à tous d'avoir suivi notre aujourd'hui. Je vous invite à aller voir la perspective du signe noir sur sa chaîne, dont le lien se trouve dans la description. Et on se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. Donc bonsoir probablement et à très bientôt. Ciao ciao. À bientôt.